bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox où je vais noter les maisons des gens. Donc c'est parti, on va commencer par aller visiter, on va s'introduire dans les maisons. Celle-là, elle a l'air trop jolie. En plus, elle est ouverte, donc let's go. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je ne sais pas trop. Donc, waouh. Là, c'est un coin pets. Oh ouais, elle en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Et il y a des légendaires, ils sont trop beaux et tout. Oh, il y a des lunettes pour chiens. C'est trop beau. Incroyable, la salle des pets. Là, c'est un petit bureau. Franchement classique. Je trouve que là, cette pièce, elle manque de... Enfin, il n'y a pas trop de trucs en fait. Mais ça aurait été bien avec beaucoup de trucs. Donc voilà, il y a des petites pièces. Franchement, le salon il est super beau, j'aime beaucoup. Là, la séparation avec. Bon, la table, vraiment. Elle est nulle à chier. C'est une table en bois, c'est les tables basiques. Là, c'est le petit coin cuisine. Là, il manque des choses dans la cuisine, genre l'évier. Il n'y a pas d'évier. Bon, je sais pas. J'adore les portes. Là, elle l'a pas encore décorée. Vraiment, ça c'est trop beau là, ici. Waouh. Ça aussi, c'est joli. J'aime trop les portes. Waouh. J'aime trop les pièces. Là, ça n'a aucun rapport, genre, entre rose... Ah, c'est des portes coulissantes. C'est trop stylé. Voilà, tout mis rose. Là, c'est là pour augmenter les... Enfin, pour les besoins de ses pets. Ensuite, là, c'est la chambre. Franchement, la chambre, ça va. Mais il manque de déco, en fait. En vrai, la maison... Enfin, la personne qui a fait cette maison, ça a du potentiel. Mais il manque des choses. Genre, le coin salon, je l'adore. Genre, c'est trop beau. Donne 7 sur 10. Voilà, on passe à la prochaine maison. Ensuite, oh, là il y a le château si on peut. Waouh, on peut le visiter. Parce que ça dépend. Soit c'est incroyable, soit. Ah, c'est le mien, je suis bête. Mais c'est trop d'être bête comme ça. Donc, on va aller dans cette maison. Voilà l'entrée. Waouh! J'aime beaucoup, c'est dans le style moderne et tout. Elle a mis plein de trucs. La petite cascade. Ouais, c'est vraiment très joli. Le coin, j'aime bien. Il y a plein de pièces, donc on va aller là. Ça doit être une pièce pour travailler. Elle n'est pas très bien remplie. Ah, même là, je suis un peu déçue. C'est juste une salle de bain, mais elle n'est pas très bien. Bref, on continue. Donc, waouh. Alors là, c'est très beau. C'est la chambre d'un pets. J'adore. Le lit, il est trop bien fait. Elle a mis un panier là et elle a construit le lit elle-même. Donc j'adore. Il est trop beau, la déco. Elle est incroyable. Je viens de voir quelqu'un passer, là. Je fuis. Deuxième étage. Merde. Elle m'a viré de sa maison. J'ai trop la haine. Je vais mettre les patins à roulettes. Je vais avancer plus vite. On peut aller voir. Il y a quelqu'un dedans. Donc j'essaye de rentrer quand même. Ok, là on a le petit salon. Ouais, il y a trop. On va essayer lui alors. C'est beaucoup plus petit la maison de pain d'épices, mais testons. Ah ouais, là c'est. Ah, c'est pas trop décoré. Ok, j'aime pas. Peut-être elle a même pas redécoré, c'est peut-être la maison de base et elle vient de l'acheter, genre. Enfin non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, en fait, elle a mis des éléments un peu partout. Donc je note 2 sur 10 parce que c'est pas décoré. Mais qu'il y a des meubles qui sont sympathiques. Voilà. Ah, il y a la maison champignon. On va aller voir la maison champignon.
Il n'y a personne dedans. Incroyable. J'espère que c'est décoré. Ok. Ok, l'entrée, c'est sympa. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il y a un lit. Ok, et c'est pas très décoré, mais c'est dans le thème. Les objets qu'elle a mis. Il y a la table. Ok, elle a mis des objets dans le thème, mais c'est pas très très bien décoré. Donc, je pense que je vais mettre 5 sur 10. Enfin, il manque des choses. Mais c'est pas moche. Mais il manque des choses. 5 sur 10. On va aller ici, je pense. La pizzeria. Ah, ça a l'air de pas être décoré. Ah, si. Ah, ça, c'est sympa. Le salon, j'aime bien. Par contre, la cuisine, je sais pas. Mais c'est juste cette partie-là qui a été faite, j'aime bien. Ensuite, là-bas, c'est la chambre des chiens, basique. Là, il n'y a rien. Ok. Et on monte. On va en haut. Je crois que la personne, elle est en train de décorer, c'est pour ça. Donc, il n'y avait qu'une seule pièce de fête. Enfin, je mets 4, parce que là, j'ai 4 sur 10. Ok. Je vais essayer la maison juste là. Ok, c'est ouvert. Je fais vite parce que des fois, il me laisse pas le temps. Ok. L'entrée est cool. J'aime bien. Oh, elle a fait la séparation par des vitres. Donc là, on a un petit coin. Avec une chambre. Une chambre de pets. Donc voilà, un petit coin pour dormir avec un ordi. Un lit. Trop beau, en vrai. Là, elle vend ça. Pour 20$. Ok. Là, il y a un piano, c'est sympa. Et une autre pièce. C'est une petite salle de bain. Le thème, c'est rose avec des étoiles et tout. Je crois que j'ai capté. Rose et blanc. Là, c'est la cuisine. Franchement, elle est belle, la cuisine. Et après, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je mets un 9 sur 10. C'est trop beau. Je vais essayer la maison là. Peut-être je vais me faire virer parce qu'il y a quelqu'un déjà dedans. Donc on va faire genre elle est pas là. Donc le thème c'est un peu rose. Coucou. C'est trop joli. Là il y a une petite table, ok. Là la cuisine, ouais, j'aime bien, ça va. Ok, là il y a la... Elle est thème rose et blanc. Tout le monde fait rose et blanc. Même là. Ok. Là, c'est un petit coin. Bon, ok, ça va, mais c'est pas incroyable. Et là, c'est la salle de bain. Donc, je mets 7 sur 10. Parce que j'aime moyen, mais c'est quand même beau. Oh, là-bas, j'ai envie de tester la maison, là-bas. Oh. Cette maison, elle a l'air trop belle. Je vais essayer d'y aller. Waouh, elle est énorme. Ok, on va essayer. Là, c'est quoi? Waouh. C'est énorme, la maison. Là, il y a une échelle. Je sais pas ce que c'est. Ok, je vais aller voir la porte là-bas. Oh, là-bas, il y a un trou. Ah, c'est joli. En rouge, là-bas aussi, il y a une porte. Ok, c'est un petit couloir, très sympathique. Waouh. Il y a un pet. Il est trop mignon. Elle est énorme, la maison. Je sais même pas où je suis. Alors ça c'est trop beau par contre avec les bougies qui flottent. Ok, la cuisine elle est dans le thème, franchement c'est cool. C'est trop beau. Ok, après il y a là-bas aussi où j'ai pas été. C'est l'entrée je crois. Ouais, du coup on va à l'étage. Ah, elle est à l'étage.
Waouh. Alors ça, c'est vraiment trop trop beau. On va aller là-bas pour pas trop qu'elle nous voit. Donc voilà une petite pièce. Bon, ça, je crois que c'est pas fini, mais c'est très très joli. Voilà, là aussi. Je pense qu'elle a fini le bas, mais pas le haut, peut-être. Ok, on continue. Il y a une autre porte là-bas. Une autre porte là-bas. Il y a des portes partout. Oh, elle a pas fini. Il y a trop de pièces. Là-bas aussi, il y a une pièce. Je pense qu'elle l'a pas faite. Ok, il y a ici un petit bureau, mais elle a pas fini, à mon avis. C'est très très joli. Maintenant, on part de l'autre côté. Elle est juste là. Waouh, waouh, waouh. Alors ça, c'est incroyable avec les bibliothèques. Cette bibliothèque, elle est incroyable. Ça fait trop vibe, un peu Harry Potter. C'est trop joli avec les maisons des Peps. Bon, par contre, les maisons des Peps en rose. Dans ce genre de maison, ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, là, c'était les deux pièces. Du coup, il me manque que celle où elle est. Voilà. Oui, ça fait un peu... Même avec les fenêtres qui s'éteignent et tout, c'est trop joli. Il y a une porte ici. Avec une douche. C'est trop trop joli. Là, on a un lit. Je note 9 sur 10. Parce que c'est pas fini d'être décoré. Mais c'est trop joli. Oui, c'est ouvert. Il n'y a personne dedans, donc c'est bien. J'espère que la personne ne va pas partir quand je suis dans sa maison. Ok, l'entrée, ça va, c'est sympa. Il y a un bienvenu. La piscine aussi, j'aime bien. Ça, c'est l'ascenseur, on verra après. Donc là, c'est la cuisine. Le salon, pardon. C'est trop beau en vrai, ça va. La cuisine. J'aime bien. On dirait un peu qu'il y a des thèmes dans chaque pièce. Genre la cuisine, elle est rose. Là, c'est plutôt jaune. Là, il y a une boutique. Ok, elle vend plein de trucs de Pets. 190, elle fait des réductions. Ok, là, il y a la caisse. Là, il y a des lits et tout. Ok, et là-bas, c'est écrit « Je peux décorer vos maisons ». Donc là, elle vend des tenues aussi. Donc là, on va y aller. Ok, là c'est pas encore décoré. Ok, on va aller voir à l'étage. Peut-être c'est pas encore décoré, je ne sais pas. Je sais plus il y a combien d'étages dans cette maison. Ok, mais je pense que c'est pas encore c'est ce qu'il y a de base. Parce qu'il y a encore les cartons et tout. Ah, c'est juste une terrasse en fait, le sol 2. Ouais, c'est en haut de la maison donc ouais. C'est juste une piscine. Donc je mets 8 sur 10 parce que ça vient d'être commencé la rénovation. Mais c'est très très joli. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et en attendant, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous. Fine, electrify my golden tool. Can't look at those eyes. Sparking song.